Zoom Zoom Zen spécial démondialisation se poursuit sur Inter et après notre invité principal Guillaume Vuillemet, on accueille à présent un deuxième invité, le maire de Mourou, Romain de Bontaga, ami de Benjamin Tranier, qui nous raconte son combat pour la démondialisation. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter. Bonjour à mes électrices, toujours bien apprêtées. Et à mes électeurs, solide, bonhomme, ça bouge hop. Et ben les autres, je ne sais pas comment vous coûtez vous y prendre, ni avec quel accoutrement vous allez le faire, mais allez bien manger vos morts. Voilà, les termes ont été dits. Lunatique, mauvais œil, 2001, grand classique. Alors, monsieur Mathieu Noël, bonjour. Aïe, 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 petit dégradé, beau gosse. Eh, hey, Kabenouébé, ça va baiser. Oui, monsieur, oui, monsieur. Fonky Family, si Dieu veut, 97 pour les connaisseurs. Alors, si je suis à France Inter aujourd'hui, c'est pour témoigner en tant que maire de Mourou. Qui l'eût cru, on n'est pas condamné à l'échec. Les usines de Mourou commencent à délocaliser pour aller au Bangladesh. Ces bâtards de patrons, là, sans doute enfantés par des canidés. Oui, monsieur, oui, monsieur. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à retarder les fermetures des grosses usines, mais depuis quelques semaines, ils partent tous, ces chiens-là. Mehdi Maizi, ça boycotte son prépuce gang. Jusqu'à maintenant, comment faisiez-vous pour convaincre les patrons de ne pas délocaliser? Et surtout, quel est le rapport avec la démondialisation? Aïe, 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 petite question de suceur sur son lit de sucerie, du plus bel effet. Eh bien, monsieur Noël, pour répondre à la première question, dans ce monde sans valeur, il reste la République qui permet au dialogue de toujours triompher. Coup de pression à l'ancienne, c'est réel. Mais là, tout le monde s'en va. Pour l'économie de notre pays et pour la planète, ça sent comme, t'sais, comme un Léopoldo après un gigatacos. Ce que je veux dire par là, coûte bien, sale chita, coûte bien. C'est que je peux pas mettre des coups de pression à tous les patrons de la planète, t'entends? Eh, hey, Kader, parle à ton daron, la nuit il se bat avec les feux rouges, c'est la mairie qui paie. Je disais, écoute bien, la solution c'est donc de produire local, par quantité, pour pas dépendre de ces chiens-là. On va développer notre propre agriculture et notre propre textile. Tout pour nous et par nous, enfin surtout par les vioques de l'EHPAD. Coup de production, des photos dédicacées par Bruno Solo. Aïe, businessman et gentleman, Fianso, affranchi musique. C'est bandant d'être indépendant, t'as capté la ref. Bon, et pour la logistique et la livraison, on fait tout en scooter booster MB4 Spirit. Back life. Regarde. Et ceci étant inclus dans les droits d'auteur, quel régalade. Alors, les électeurs continuent de voter pour des margoulins qui décident de rien. Moi, j'ai dit, on fait tout nous-mêmes. J'ai été élu sur cette promesse. Ça, et faire fermer la boucherie halal de la ville. Mais moi, c'est juste parce que j'aime pas le patron et c'est le daron à Kader. Bon, voilà. Bon, je vous laisse. À Mourou, on a du pain sur la planche. Vive la République, vive la France. Et suivez-moi, Romain de Bontaga sur Snap. Il y a des conseils sur la fiscalité et des pronostics Coupe du Monde 2022. À bientôt, chers suceurs. Merci, monsieur le maire. Je me permets également de remercier votre ami Benjamin Tranier, qu'on retrouvera la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen.